Bonjour, c'est Grey Fox. On se retrouve pour un combat de Coliseum. Toujours avec mon panda, donc c'est le deuxième colis que je fais avec mon panda O. Le premier que je vous ai fait vous a bien plu apparemment, hein. J'ai eu des retours très sympas dessus, donc bah, je suis ravi de pouvoir vous le présenter à nouveau. Et en face on a Panda, Ouji et Kaflip, donc compo très similaire à la mienne, il n'y a que le Feka qui change pour un Neka en face. Donc toujours du placement, beaucoup de rocks, moi j'ai un petit peu plus de protection et du soin, mais voilà, je suis moins agressif qu'eux. Alors le panda, alors déjà leur initiative est bien mieux gérée que la mienne, hein. Moi j'ai le panda devrait jouer en premier idéalement, malheureusement c'est pas le cas, donc bah tant pis. Tant pis, je fais 100, alors je vois qu'il porte son Neka Flip, je vais peut-être partir sur un Focus Panda, ou à moins que j'aille sur Logi, mais je pense que Panda ça peut être intéressant. Il va ici, d'accord, il a pas Stabi. Il a pas Stabi, donc bah, c'est pas un souci, je vais pouvoir l'attirer. Je pense que je vais rush directement dans le tas avec mon Uji, en espérant qu'il n'y ait pas trop de rocks en face. Est-ce que j'y vais sur le Panda ou plutôt sur l'Eka Flip? On va y aller sur l'Eka. Ou quoique non, peut-être plutôt sur le Panda, étant donné qu'il peut porter, si c'est lui que je choisis de focus. Ça pourra le mettre un petit peu dans le mal. Hop! Voilà, je le tape un petit coup, c'est surtout pour moi me mettre en état de rage et me rendre un petit peu plus solide parce que mon Ojinak est extrêmement exposé. Bah oui, bah fallait stabiliser, hein. Il pleure le pauvre, mais oui, il fallait stabiliser s'il voulait pas que je l'attire. Son skin est très sympathique, je trouve, avec les items de classe là. C'est très joli avec le bouclier. Bon, c'est un détail, mais je trouve que c'est chouette, c'est assez original. Il mérode, l'Eka Flip mérode avec le corollaire, un sort qu'on voit assez peu pour l'instant dans le PVP, mais qui est extrêmement intéressant pour un Eka qui n'a pas choisi la voie air qui est la voie d'érosion naturelle. C'est assez original. Alors moi je suis embêté là, au niveau du panda, parce que je peux pas lui mettre de vague à lame sans taper mon Uji, ça m'arrange pas trop. Je vais donc me faire une bombance. Histoire d'avoir accès à tous mes sorts, hein, ça c'est super intéressant. Et merde, j'ai toujours pas pris le bon tonneau, putain, il faudrait que je pense à changer ça. Ah, et j'aurais pu faire un pan dans le cul sur la Fekata, bah j'ai la portée, c'est nickel. Je vais donc lui faire un pan dans le cul, une maîtrise d'armes, et un coup de corps à corps sur le panda qui tape extrêmement fort, hein, vous le voyez là, la baguette héroclite. Voilà, c'est l'originalité du mode de mon panda, mais ça met des énormes dégâts. Et le panda en cul sur le Feka va lui permettre d'aller directement chercher la proximité et de faire son travail de protection et éventuellement de soins sur mon Ouginak. Bon, moi, ça va, au niveau des dégâts, la Lugie prend cher. Est-ce qu'il m'a érodé? Oui, je suis déjà érodé hein, par les Kaflip. Mais ça devrait aller à peu près. Son panda a pris des gros dégâts, je vais peut-être pouvoir lui en mettre encore plus là. Alors, je peux faire ça. Hop, aller chercher directement le rempart. Je peux mettre un glyphe, je vais prendre tout le monde dedans, je pense. Et je vais. Ouais, on va partir là-dessus. Téléglyphe ici, et peut-être un retrait PA. On va voir ça. Ouais, téléglyphe là. Et je vais tenter un aveuglement. Est-ce que ça passe? Moins 2 sur les deux. D'accord, très bien. J'ai pas mal de retraits hein, sur mon Feka. Donc là, c'était pas mal. L'Ujinak a pris les protections. Et qui a en defusteuse en face? C'est le panda, j'ai l'impression. Hein. Ouais, d'accord. Donc, bah, le panda, est-ce qu'il est en nébuleux? Non. Parce qu'un panda nébuleux de fusteuse, au tour 1, il y a le bonus de chance et le nébuleux positif, ça peut mettre des énormes dégâts directement. Là, a priori, il sait pas ce qu'il a choisi. D'accord, donc il se stabilise. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Je pense que le focus panda était intéressant parce qu'il n'est pas extrêmement solide. Et bah, le panda, souvent, c'est embêtant dans la mesure où ça peut stabiliser Karcham quelqu'un, mais sur lui-même, il peut pas se protéger. Donc, ça m'a paru assez judicieux. Ok, il s'en va comme ça. A priori, ça va pas m'empêcher d'aller le choper. Ouais. On va partir là-dessus. Je vais lui mettre une charogne, ce qui va me permettre de me transformer et donc de gagner des PM. Et bah là, je peux y aller au dépeçage. Dépeçage qui est vraiment extrêmement intéressant comme sort, mais qui va être nerf hein, à la prochaine mise à jour. On l'a vu assez récemment dans la vidéo que je vous ai faite hein, sur les prochaines variantes. Donc bah, j'en profite de l'état actuel du sort qui met du debuff et des énormes dégâts, ça va être complètement modifié. Ensuite ça va faire un malus de soins sur la cible, mais pour moins de PA, ça va coûter 3 PA, et les dégâts vont être réduits. Donc sort un petit peu équilibré parce que là c'est vrai que c'est très fort. Je pense que son panda, même malgré sa picole, qui lui met donc des dégâts réduits, je pense qu'il va avoir du mal à tenir quand même. On va voir ce qu'il fait en face. Donc là c'est les Kaflip qui jouent. Alors apparemment il essaie de bloquer mon panda, ça m'embête un petit peu. On bête un petit peu, mais on va voir, je pense que ça va pas non plus m'empêcher de faire quoi que ce soit. Ah, j'ai des gros dégâts qui tombent quand même là. Hein. Il aurait pu me... Est-ce qu'il m'a debuff? Non, il m'a pas mis de souillure, il aurait pu. Il aurait pu le faire. Alors, bon, moi je vais dégager le Wasta, hop, qui me tacle. Je vais le mettre par ici.
Ce qui me laisse 10 PA, donc de quoi bah, taper le panda pas mal. Je vais pas lui mettre de vulnérabilité étant donné que il va se débuff à son tour, donc ce sera pas très utile. Bah, je pense que comme ça c'est pas trop mal. Hein. Hop là. Et le panda, je vais venir le mettre un petit peu à distance, étant donné qu'il a beaucoup de portée. Ça devrait pas lui poser trop de soucis. Mon Ojinak prend quand même des sacrés dégâts là, j'espère que je vais réussir à le maintenir en vie. Alors j'ai un sort de déplacement qui doit être la variante de trêve. C'est ça, renfort. Téléporte sur la première cellule disponible entre le lanceur et l'allié ciblé. Ok. Ok. Je vais peut-être avoir l'occasion de m'en servir et de voir vraiment comment ça fonctionne. Mais non, a priori, je n'en aurais pas besoin. Il me déplace pas. Il me déplace pas. Moi, je vais avoir la ligne de vue pour lui mettre un étype. Ok. Le panda, là, je le tomberai pas. Hein, donc, je vais plutôt chercher. Ah, il me tacle, ça m'embête ça. Ça m'embête pas mal. Je vais mettre peut-être du retrait PA à nouveau. Il était plutôt bien passé. Coup des types. On a un coup des types qui peut passer de manière assez violente là. Et malheureusement, j'aurai pas les PA pour faire une atonie et un coup des types. Donc on va partir plutôt sur un bastion. Ouais. Bastion, Flamiche ici. Et type par là. Et je vais venir chercher le tacle sur le panda qui n'a plus sa stabilisation. Donc il va être obligé de s'enlever 2 PA. Voire même 3 PA pour ce debuff, me faire un Karcham, un deuxième Karcham pour me pousser. Ouais non, il a choisi la libération, d'accord, donc c'est une alternative à peu près équivalente, mais ça lui enlève 3 PA aussi. Et donc ce qui devrait permettre à mon Jinak de s'en tirer sans trop de soucis, à mon avis, là, pour 8 PA. Donc la souillure, il me fait enfin la souillure qui m'enlève à la fois le bastion, donc ça c'était bien joué de sa part, j'aurais peut-être pas dû mettre le bastion, parce que c'est vrai qu'il pouvait me debuff directement. Et en plus qui m'enlève mon bouclier. Enfin le rempart quoi. Donc ça c'est assez contraignant. Et il reste ici avec son panda, et ah, ça m'embête, son Wastak qui est venu juste se placer là, c'est assez chiant ça. Bon, moi je pense que je vais rush le Wasta, enfin le panda je pense. Qu'est-ce qu'il a? Il a pas mal de boucliers là. Ce qu'il joue ensuite c'est les K-Flip. Ah bah je vais y aller. Vraiment là le Wasta me met au fond. Hein. Il me fait perdre énormément de dégâts. Bon bah tant pis, hein, on va faire avec. Et bah voilà, je viens chercher le debuff des boucliers sur le panda avec des gros dégâts qui tombent. On est à 581 points de vie sur le panda, est-ce que je vais pouvoir le choper? Alors le mien est peut-être parti un petit peu trop loin là. J'aurais peut-être pas dû le faire fuir autant. Bon, il a des esquives PM assez correctes, il devrait pas trop en perdre dans le glyphe du Fekka. J'espère que je vais réussir à aller chercher au moins la ligne de vue sur le panda, ce serait bien. Ok, trèfle, esprit félin, avec des gros dégâts encore qui tombent de la part de l'Ekaflip là, qui a un mode vraiment violent, hein, franchement. Une chance d'Ekaflip sur le panda, d'accord, donc il va vraiment essayer de le sauver. Alors moi je pourrais aller chercher de la Stabi Karcham sur le Jinak, mais ça va être assez compliqué quand même. Oh non, le chaton qui se place juste pour me mettre au fond là. Putain, en plus je perdais pas de. Putain, je perdais pas de PM, c'est le chaton qui me met dans le mal. Bon. Bon, et eh bien tant pis. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi? Ouais, je vais repousser l'Ougie, hein, mais. On range pas des masses tout ça. Hop! Avec double vague à lame, mais c'est pas fou, hein, c'est vraiment pas foufou. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là je l'ai replacé dans le glyph, et donc il prend les dégâts du glyph, mais il peut faire un flair et venir à mon corps à corps. Et ce qui me termine. Ouh, j'ai bien peur qu'il me termine là. On va voir s'il arrive à me finir. Et non. Non, ça ne passera pas. Et moi, avec le Fekka. Ah, il va me manquer un PM pour avoir la ligne de vue pour mettre un coup de corps à corps. Un coup des types sur mon Ouji. Est-ce que je vais quand même pouvoir m'en sortir? Ah, il joue bien. Il joue bien. Et ah! Bah non, s'il reste là, ça me laisse la ligne de vue. Alors là, j'ai pas compris, il avait juste à rester là et je pouvais pas lui mettre les types. Ça m'aurait sacrément embêté. Et là, si je fais ça. Enfin, téléport sur la première cellule disponible entre le lanceur et l'allié ciblé. Alors on n'a pas de prévisualisation. On va voir ce que ça fait. Ça me met là, d'accord. Ouf, je ne suis pas taclé, j'ai eu peur. On va donc sortir un coup des types. Si je crit, je tue mon Ouji. Ok, j'ai pas crit, heureusement. Heureusement, et je vais venir chercher le retrait PA ici qui passe. Voilà, j'en mets un petit peu sur tout le monde, c'est pas énorme, mais c'est quand même correct. L'idée étant bien sûr de laisser mon Ouginak en vie. Donc on a le panda là qui a toujours 9 PA. Vraiment, la survie de mon Ouginak là c'est compliqué. On voit que mon mode qui est très axé sur les dégâts est relativement fragile.
Bon, vous voyez, j'ai quand même des grosses résistances, mais j'ai pas de résistance critique, j'ai un malus. Et bah, je pourrais être quand même plus solide que ça, donc bon. Voilà, bon, ça, je vais pas me plaindre, mon OG est quand même très, très balèze. Mais là, le focus, j'ai eu un petit peu du mal à le tenir, et j'ai pris beaucoup d'érosion. Il aurait fallu que le panda, peut-être, gère le placement de manière à pouvoir le porter plus facilement et le mettre à distance. Bon, c'est pas grave. Ok, donc là, le panda qui continue à mettre ses protections. Je vais chercher le debuff sur lui, je pense. Hein. Et les Caflis, parce qu'il a des boosts. Ouais, il va perdre à son tour. Ça peut être intéressant quand même, moi, que je mette peut-être un Roquet ou un truc comme ça. Non, je vais taper à fond. Je vais taper à fond le panda en espérant passer un kill. Et malheureusement, non, ça ne passera pas là. Ça ne passera pas. On va y aller comme ça, ouais. Ouais, sacrée réduction de dégâts sur le panda. Hein. Là, il est vraiment blindé. Il a la picole, plus la chance des Caflip. Mais voilà, maintenant c'est au tour de l'Ekaflip, donc la chance passe sur le deuxième effet qui fait là il va prendre plus de dégâts. Donc je devrais réussir à le terminer. Du moins je l'espère. Hein. Alors là le panda va jouer, c'est intéressant parce que je vais pouvoir mettre l'Ujinak à distance et étant donné qu'il est transformé, il aura peut-être un petit peu du mal à venir me chercher. Bon, il a beaucoup de PM, mais peut-être que je vais pouvoir le bloquer. Tout va dépendre du placement. Ok, il me met comme ça me dérange pas tant que ça. Ouais. Est-ce que j'ai de la stabi? Moi j'ai la stabi. Alors bah, je vais commencer par stabi. Hop. Je pourrais peut-être repousser le J à fond. Je pense que je vais faire ça, ouais. Karcham. À nouveau Karcham. Voilà, où est-ce que c'est le plus intéressant que je le repousse? Je dirais que c'est ici. Hop. Et moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à tuer le panda comme ça. Et ah, j'ai été bête, j'ai été débile, j'ai été débile. J'avais juste apporté mon Ujinak là et c'était bon. J'avais pas calculé que le panda, le fait de le tuer, ça allait péter son invoke. J'ai pas été très attentif là-dessus. Et malheureusement, du coup, qu'est-ce qui se passe là? Okay, j'ai pas tout compris. Ouais, ça aurait été mieux que je porte l'Ujinak étant donné qu'il a pu avoir accès. Alors là, pourquoi mon Uji ne prend rien et c'est le panda qui prend les dégâts? C'est étrange ça. Qu'est-ce qu'il a le logique le... Il a un état indéplaçable? Prohibition? Ah bah oui, il m'a mis insoignable avec prohibition, mais ça me rend invulnérable en mêlée apparemment. D'accord. Alors là, il a pas l'air d'avoir vraiment suivi ce qu'il a fait, parce que j'ai l'impression que ça l'a assez surpris. Donc prohibition, hein, c'est un sort assez sympa. Hop, moi je vais mettre ça comme ça, voilà, je joue assez vite, j'essaie de pas finir mon tour avec beaucoup de choses. Donc prohibition qui m'a mis insoignable mais invulnérable en mêlée. Bon, le sort ne fait plus effet là. Mais apparemment il l'avait pas trop calculé et j'ai l'impression que ça l'a un petit peu surpris. Est-ce que je pars sur l'Eka ou sur l'Ugi? Ah, j'aurais peut-être dû aller sur l'Eka même avec le Feka. Niveau des res, oh, non, je vais aller sur l'Ugi quand même. Hop, on va faire comme ça, on va se faire un petit Arcanin. Et venir chercher les dégâts assez violents là sur l'Ujinak, tout en restant ici pour prendre le bouclier de l'émeraude. Alors vous avez vu le sort que j'ai fait avec le Feka, c'était Atoni, hein, donc variante de léthargie qui met des gros dégâts feu, ça coûte 5 PA, donc c'est assez coûteux sur les PA, mais un gros vol d'intelligence, hein, plus 150 d'intel, ce qui va me permettre d'avoir un énorme soin sur les types. Vous voyez là je monte à 1804, donc c'est vraiment balèze. Hein. C'est vraiment balèze et je vais pouvoir bah, en placer un assez vite sur l'Ujinak je pense. Ouh, j'ai une belle petite zone pour la vague à lame là, mais j'ai perdu des PM et je risque de pas pouvoir les placer. C'est dommage ça. C'est dommage. Eh, mais il tape vachement fort celui-là, faut qu'il arrête là. Ok, il m'a mis des gros gros dégâts là, mon Ugina qui est un petit peu dans le mal. Ce qui peut être intéressant, c'est que si je peux finir l'Ugi, est-ce que je vais pouvoir finir? Je vais mettre ça. Oh, c'est bien possible que je termine. 6, il me faudrait juste un crit au vague à lame. On va être joueur et on va tenter, je pense. Je vais donc y aller sur une épouvante là. Et on a effectivement le crit au vague à lame qui vient faire le kill. Voilà, bon, au pire, je pense qu'il tuait mon Ujinak, mais après, j'aurais terminé le jeu juste derrière, donc le résultat aurait été le même. Mais j'ai crit sur le vague à lame. J'ai quand même 47% de critique. Hein. Voilà, 47%.
Donc c'est pas non plus un énorme coup de chance. Mais ça fait toujours plaisir. Bah là, je vais pouvoir chercher le vol d'Incel à nouveau sur les Caflib pour lâcher du gros gros soin. Et là, bah voilà, vous le voyez. Ah, j'ai fait un G assez mauvais par rapport à ce que je pouvais faire en max, mais ça reste correct. Et je m'en sors comme ça. Je m'en sors comme ça, donc c'est plutôt cool. Bah là, je pense que je vais y aller. Est-ce que je me transforme? Si je me transforme, il va me terminer sans aucune difficulté. À moins que je le repousse. Si je le repousse, ça devrait aller. Ouais, on va y aller comme ça, je pense. Hop, je me transforme. Alors là, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce qu'il a des buffs que je pourrais lui enlever? Oui, roue de la fortune. Donc, double debuff. Ah, vous voyez les dégâts? 1030. 1030 de dégâts avec le dépeçage sur 25%. Donc, j'ai quand même des dégâts là. Je montais à plus que ça encore, hein, j'ai vu. Bon, le Luginac, heureusement qu'il va être nerf à la prochaine mise à jour parce que c'est quand même nécessaire. Là, ça tape beaucoup trop fort. On peut le dire. Hein. On peut le dire que le nerf est tout à fait justifié. Voilà, donc là, je me suis mis à distance, il perd beaucoup de PA pour venir m'atteindre, il ne me terminera pas. Et ça laissera même éventuellement mon panda, ou plutôt le Féca soigner, et puis je vais pouvoir le terminer peut-être même avant que j'ai besoin de le soigner. Et voilà, effectivement, je survis, je suis pas trop en difficulté, j'ai toujours le rempart là. Bon, c'était quand même un petit peu tendu à un moment, mais je m'en sors pas trop mal. Bah, sur les Caflib, on va y aller avec du Rox, on est parti. Coup de cac 750 à la baguette héroclite. Franchement, sur du 37% de résistance, là, mes dégâts passent bien. Hein. Vagalame à 542, c'est plutôt sympathique. Et on va leur dire GG, voilà. Bon, moi, j'ai eu un petit peu flippé quand même par rapport à Luigi qui a pris un focus assez sale, ça a été assez tendu. Mais je pense que même s'ils avaient réussi à me terminer, moi, derrière, j'aurais pu m'en sortir sans trop de difficultés. Voilà. Bon, bah, c'est parti. Hop, on termine. Bah sympathique ce petit combat. Ils se sont vraiment bien défendus, ils ont été très agressifs et ça a failli me coûter la défaite. Voilà, le Luginac qui s'est fait bien focus et un placement qui n'a pas forcément été très bien géré par moi. Avec le panda, j'aurais peut-être pu faire un taf un petit peu plus intéressant. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait. Bon, bah voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que le combat vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt!